demi-finale des playoffs de Pro B. Est-ce qu'Orléans va pouvoir monter en Deep Elite dans 40 minutes? Il va déjà y avoir un petit écart là sur cette possession. La San Chroma qui a fait le tour pour mieux rentrer à l'intérieur. Là, c'est fort en l'air, il pas de fin. Ben non. Ah. Raphaël Desroses m'a dit une autre version. Bégarin à 3 points. Et on le disait, l'expérience de son. Ballon perdu du coup par Rouen dans ce deuxième quart-temps. Spearman à côté. Complètement à côté. Mbida au rebond. Et là c'est mieux. Le hook shot main gauche magnifique après. Jefferson. Spearman à 3 points, il déclenche. Ouais, et honnêtement, quand je l'ai vu partir, je crois que c'était une, ça devient des vraies menaces. Vous voyez la ligne, hein, de stade de JB Maï, 4 points, 6 rebonds, 4 passes. Et en plus, une interception maintenant pour les Rouennais. En attaque, Alonso Coleman. Oh, c'est en train d'exploser à la reprise du côté d'Orléans. Il va y avoir tout de suite un temps mort pris par Germain Castano. La Kind Arena a le sourire parce que Rouen mène de 15 points maintenant dans ce match de regarder le drift de la San Chroma. Ouais, Germain Castano qui a compris, qui arrête le jeu directement. Alilovic. Et la claquette de Gaylor Currier. Ouais, parce qu'on oublie, il a bien progressé, il a pris des responsabilités. Il est vraiment intéressant. Oh. Et encore un dunk, cette fois-ci c'est Alilovic sur le poteau. Attaque du côté d'Orléans. Regardé par contre. Encore un rebond, Fred. Encore un rebond, Ponsard se jette et 2 plus 1. Et Alilovic, là c'était compte ouvert d'ailleurs, c'est tellement sympa la NMA. Jefferson, ça revient sur Alilovic. Jamar Diggs, Mutuale qui fait l'effort en défense, mais Jamar Diggs est trop rapide. Et en mort. C'est officiel. Rouen est encore en vie.